Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Le haut commandant de la gendarmerie a assuré qu'il prendra toutes les dispositions qui s'imposent pour appliquer à la lettre la décision de fermeture des points de vente non agréés des médicaments et des cliniques clandestines. Le colonel Bala Samoa a réaffirmé vendredi sa fidélité aux idéaux du président du CNRD qui met la Guinée au-dessus de tout. Il n'y a pas d'autre motivation derrière. Il assure que le colonel Mamadi Doumbouya a compris les problèmes des Guinéens. C'est pourquoi on est derrière lui. Tous les problèmes et d'initiatives qu'il ne cesse de prendre sont appliqués, c'est la tolérance zéro. Le patron de la gendarmerie nationale affirme qu'il n'entend pas reculer dans l'application de la décision relative à la fermeture des points de vente non agréés des médicaments et des cliniques clandestines. Les cliniques sont quasiment identifiées par les autorités du ministère de la Santé. Les cliniques clandestines seront fermées. Je suis sûr et certain que 90% sont déjà fermées, souligne-t-il. Rappelant que les dangers de la vente illicite des produits pharmaceutiques, le colonel Samoura soutient qu'il faut sortir des pharmacies par terre des quartiers. Eh bien, les amis, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.